Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un petit test de la Autumn Soul Press 2. Je vais essayer d'aller assez vite hein, dans ce test parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer, notamment la fonction expression qu'on va utiliser avec un délai filtré. Donc, pour tous les nerds un peu d'entre vous, les geeks de matos, je vais vous montrer un petit peu le board. Donc, j'ai mis mon ancienne pédale de volume, vous verrez pourquoi, parce que je vais faire un petit comparatif. Ensuite, il y a la Autumn Soul Press, le petit compresseur de chez Wampler, le Ego. Le tuner out est relié bien sûr à la Autumn Soul Press. Après, j'ai mes trois étages de gain avec donc, le Soul Driven de chez Exotic Effect, pardon, la TS9, donc ça c'est chez Ibanez. J'ai mon petit SSS de chez Vertex et après j'ai un Noise Suppressor NS2 de chez Boss que je vous conseille pas trop d'ailleurs. Après un vieux délai, un DD6 que j'ai depuis des années, un petit switcher qui est le plus, vraiment le plus cheap du marché qui s'appelle le Harley Benton FXL8 Pro je crois. Et ensuite, la Rolls de la Rolls au niveau des délais et reverb chez Strymon, donc Timeline et Big Sky, bien sûr. Et pour alimenter tout ça, un petit pedal power de plus. Voilà, donc comme ça, vous avez tout le pedal board en vue. Je vais essayer de vous montrer des petites choses au niveau du volume déjà. Donc, je vais la mettre en mode volume only déjà pour que vous voyez un petit peu le comparatif entre celle-là et celle d'avant. Et vous verrez que déjà, moi, ça me convient pas trop au niveau du volume en tout cas. Voilà, donc normalement là on est en mode volume only, donc je vais enlever mon preset de délai là, voilà, hop, voilà, donc ça c'est juste le volume, donc on va essayer sur un son vraiment plutôt, on va dire clair quoi, on va essayer de voir si on peut faire un petit trémolo avec. Voilà, donc le reproche que je fais au volume, c'est qu'il arrive très très vite en fait. Donc peut-être pour certains ça conviendra. Moi j'étais habitué à cette pédale de volume qui avait vraiment dans un tiers de la course rien en fait. Vous voyez donc, alors je suis un peu con parce que du coup si j'enlève le volume sur la deuxième pédale de volume, ça peut pas marcher forcément. Vous voyez donc là il n'y a rien sur un tiers de la course. Ce qui me permet vraiment de gommer l'attaque, quoi. Donc je vais vous le mettre sur un preset un petit peu ambiant, par exemple. Voilà, donc là j'ai, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai un preset Nimbus, donc c'est le Cloud Mode sur la Big Sky, et sur le Timeline, c'est un genre d'émulation d'Ecoplex, quoi. Donc pareil, je fais un petit Lasus 2. Changer un peu les micros. Donc là, au niveau des swells, je trouve ça vraiment, vraiment facile à contrôler. Alors, faut dire, je m'y suis habitué, hein, mais. Donc pour moi, ça marche bien, ça, en fait, le côté un tiers de la course où il n'y a rien. Ça permet vraiment de gommer l'attaque. Donc pour des swells, c'est assez chouette quand même. Donc. Alors l'idéal, je trouve, c'est souvent le jeu au doigt. Hein. Je trouve qu'on a une attaque un petit peu plus homogène en fait qu'avec le Mediator. Bon, ça, c'est au choix. Donc si je fais la même chose avec la Autumn maintenant, mettons au doigt. J'ai vraiment du mal à avoir le zéro volume. Ou alors, il faut vraiment que j'attaque mon accord et que vraiment je tarde à engager la course de la pédale, quoi, vous voyez ? Ça, du coup, ça me plaît moyen en termes de volume, quoi. Bon. Après, je ne l'ai pas acheté vraiment pour le volume parce que j'avais déjà une pédale de volume qui me convenait très bien. On va regarder un petit peu les deux modes de wah très rapidement. Alors, je vous ferai des exemples juste avec le son comme ça et peut-être après en contexte avec une batterie, mais d'abord juste la pédale tout seul pour que vous puissiez un peu entendre vraiment le son qu'elle dégage, quoi. Donc on va commencer par le mode classique
donc qui va tirer plus sur la crybaby, et ensuite on ira sur le côté warm, qui sera peut-être plus du côté des wah-wah italiennes. Enfin bref, on y revient. Donc ce qui est sympa sur cette pédale, c'est quand vous engagez soit que le volume ou la wah, c'est ces petites LED bleues que vous avez sur le côté. Donc de toute façon, je vous mettrai la caméra, c'est pas évident d'ailleurs à tourner, je vous avoue, entre la webcam, le téléphone qui est là et une caméra entre mes jambes pour jouer de la wah-wah, je vous cache pas que c'est pas facile. Donc soyez indulgents pour la démo, quoi. Donc bien sûr, vous pouvez aller dans les trucs funky, hein. On va se remettre sur un preset un petit peu moins ambiant, excusez-moi. Voilà, juste un son clair de base, quoi. Bon, c'est pas mal ce mode classique. Alors il y a un petit filtre Q que moi je règle pas très très haut, sinon c'est un peu criard dans les aigus. On va tester le mode warm qui est mon préféré pour l'instant. Voilà, la wah-wah est un petit peu moins filtrée large dans les aigus, on va dire, quoi, ou dans les médiums, quoi. Donc là, micro-manche par exemple. En single note, ça donne ça un petit peu. Ok, donc là, c'est wah only. Et du côté warm en fait, hein. Donc en disto. Donc bien sympathique le côté warm, je trouve, de la wah-wah. Allez, je vais vous faire quelques petites démos peut-être avec la batterie un peu pour que vous voyez ça en contexte. Et après on va parler du côté expression, et là j'ai un super truc à vous montrer. C'est bien bien fun, franchement, cette wah, elle est vraiment assez cool. Le seul truc qu'il faut s'habituer, c'est un petit peu disons la course de la pédale, ok ? C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus longue qu'une crybaby, si vous êtes habitué, et aussi au niveau du pied, moi j'ai pas les grands pieds, hein, 41,5, 42 par là, au niveau des baskets, et vous voyez qu'elle est quand même assez petite, la pédale. Donc c'est bien, ça prend pas trop de place sur le pedalboard, elle est pas lourde et tout. Mais voilà, faut s'y faire, donc j'ai pas encore vraiment bien pris le coup. Ça s'entend, je pense, d'ailleurs. Voilà,
Voilà, donc ça c'était un peu le côté wah, le côté volume. Moi j'avoue que je vais peut-être garder sur le côté ma pédale de volume, la FV30 de chez Boss, qui est une pédale passive. Donc je suis habitué un petit peu plus à la course, quoi. Voilà. Donc maintenant on va passer à la dernière fonction que cette pédale peut faire, c'est la fonction expression. Donc peut-être je vais faire un cut à un moment donné, je vous montrerai d'où j'ai piqué ce truc, mais je vais vous montrer un truc bien sympa. Donc il vous faudra bien sûr au minimum un délai à la croche pointée et si possible un délai filtré. Alors le timeline fait ça, je vous montrerai peut-être les settings. Alors là si vous les voyez, ça c'est ceux de la pédale, ils sont réglés comme ça, et après je vous montrerai peut-être les paramètres que vous pouvez pas avoir ou quand il faut rentrer dans le paramètre de l'effet. Mais là je voudrais juste vous faire écouter déjà le son de cet effet là. Donc là normalement je suis en mode, voilà c'est ça, en mode pédale d'expression, parce que là je suis en wah only et j'ai donc finalement désactivé la wah. Si je l'active, ça va activer et la wah et la pédale d'expression en même temps, ce que je veux pas forcément là. Donc ça filtre un filtre, c'est pas ce que je veux pour l'instant, on l'écoutera peut-être. Mais vous voyez, c'est un délai un peu filtré et du coup il va arriver quand je m'arrête de jouer. C'est-à-dire que je vais enclencher la pédale vers le bas quand je m'arrête en fait. Hein. Vous voyez, c'est assez sympa à faire. Donc je sais pas, je vais essayer de vous le montrer après en contexte avec la batterie. Donc ce truc, je l'ai piqué à Rob Harris, le guitariste de Jamiroquai que j'affectionne beaucoup. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je l'aime bien. Donc ce qui est cool, c'est que si j'enlève la pédale, enfin si je la mets en position heel en anglais, c'est-à-dire à zéro au niveau du volume de l'effet, et ben j'ai pas d'effet quoi. Mais si par contre j'y vais progressivement ou que j'y vais un petit peu jusqu'au fond là, jusqu'au toe, j'ai tout de suite l'effet qui est pas au max. Hein. Alors moi je l'ai réglé le heel en mode zéro effet. Enfin c'est le mix de l'effet hein, d'ailleurs que j'ai paramétré. Et en toe, j'ai exactement ce que je vous ai montré sur la pédale tout à l'heure. Donc peut-être je vais vous montrer un peu les réglages pour ceux qui seraient les heureux possesseurs d'un timeline. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc on pourrait très bien aussi l'utiliser dans un autre contexte, sur un riff par exemple. Et à la fin, quand on a vraiment une note un petit peu appuyée, avec un silence derrière, ça peut être sympa du coup de déclencher l'effet, je trouve quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit preset, et puis donc je pense que je vais garder quand même un petit peu l'autre pédale de volume parce que je suis pas extrêmement satisfait de la course de volume
de la Autumn Soul Press. Bon, ça n'engage que moi, hein, la vidéo n'est pas sponsorisée, ce n'est que mon avis. Par contre, le côté wah-wah, je vais garder vraiment le côté warm, je pense, qui me plaît vraiment pas mal. Et en plus, je vais peut-être essayer de tweaker certains presets un peu de façon à les contrôler en termes d'expression, hein, notamment sur le délai, je pense, quoi. Peut-être sur des délais stéréo, genre l'accroche pointée, un peu U2, ce genre de truc, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et désolé pour ce test un petit peu à l'arrache, mais c'était pas facile d'avoir une caméra entre les jambes. Je vous dis à bientôt, ciao.